Hey yo tout le monde, c'est Galaxyd et cette fois-ci on se retrouve pour l'épisode 12 de Pokémon Jaune Random Nuzlocke Challenge. Et la dernière fois, on n'a pas fait grand-chose, hein. On a juste passé de Lavandia à Celadopol. Voilà, rien de spécial. Alors cet épisode, vous croyez-moi, il va être complet et je sens la mort. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais quelque chose me dit que je ne devrais pas faire l'arène plus le casino. Et vu que je suis égoïste et maladroit, je sens qu'il va y avoir une mort. J'ai dû laisser Casper dans le PC parce qu'il faut coupe pour l'arène. Et à un moment donné, c'est déjà la deuxième arène où il faut coupe pour entrer dans une arène. À un moment donné, ils ont pas dit que fuck. Donc on va y aller, hein. Donc je ne sais toujours pas où on trouve la boîte du temps puisque je tourne la suite. Voilà. Et encore un monde de la Team Rocket. Qu'est-ce que tu mates? Bah, ton cul, pourquoi? Là, regarde. Oh. Qu'est-ce que tu mates? Je te laisse tranquille. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Hé hé, cette arène est terrible. Il y a plein de meufs. Ah, d'accord. Donc, d'accord. Bon, continue à regarder. Moi, je vais rentrer, carrément. Arène de Pokémon de Celadopol, champion Erika, vainqueur Blue. Ah, Blue est déjà rentré dedans, le petit coquin. Oh, il y a les fleurs qui dansent. Et toi? C'est interdit par ici. Ah, et... Désolé, mais il n'y avait pas de panneau marqué sans s'interdit. Titar. Ouais, bah très bien. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas, Titar? Je lance acide. Ah... Oh là là, ça va faire mal. Oh là là, 2 PV! 2 PV, les gens, ça c'est beaucoup, hein. Aïe, 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 je pense que j'ai frôlé la mort. J'ai vraiment eu peur cette fois. LOL. Rhinocorn, par contre, toi, on va faire Pince-Masse, parce que je sais que t'as séisme. Et j'ai pas envie de mourir. Par contre, ce niveau 23, techniquement, en calculant, ils ont, Erika, des Pokémon de 10 niveaux de plus, je pense. C'est des Pokémon niveau 40, les gens. Oh là là. J'imagine même pas. T'es trop fort! Je pensais que c'était interdit. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Erika va gagner, c'est sûr. Oh là là. On va laisser leur 4 net. Hein. Moi, oh bah. Voilà. Non mais où? Je suis belle? Hein? Hein? Si tu te poses la question, c'est que t'es forcément moche. Clerc. Bon. On peut dire qu'elle est moche? Ça passe, mais bon, hein, ça fait plus. Bon, Pince-Masse. Voilà. J'ai quand même un peu peur, les gens. Je sais pas, je le montre pas. En même temps, je peux pas vous le montrer, mais. J'ai un peu peur dans cette arène, parce que je sais pas quel niveau ils sont. Je sais pas du tout quel niveau elle est, la championne. Mais j'ai peur que je ne suis pas dans le bon niveau. Rappelez-vous à l'arène de Carmin-sur-Mer que les Pokémon des dresseurs n'étaient pas. Enfin, ils étaient faciles à battre. Hein. Mais le champion était le même niveau que moi. Et justement, c'est là qui me fait peur. J'aurais dû peut-être les entraîner au niveau. Au niveau 35. Et 30. Ok. Ok, c'est bon. Rafati. Et bon, c'est vrai que j'ai une bonne team. Hein. Ratatak. Oh, salut Zach. Hein? Mes cheveux? Mais qu'est-ce qu'ils ont tes cheveux? On dirait une cuillère, le truc que je passe tout le matin. Mais attendez, mais il faut coupe dans l'arène aussi, non mais... C'est quoi cette arène, moi? Elle est moins chiante que... Oh, bah, je suis con. Je pourrais pas couper sans être dehors. Coupe. Oh là là, mais il y a beaucoup trop de dresseuses, là. Il y a trop de meufs d'un coup. Les filles sont plus fortes que les garçons. Ok, oui. Ok, je sais pas. Je ne peux pas dire... Je ne peux pas.
Wow, c'est quoi ça? C'est un membre de la Team Rocket, ça? Avec le fouet, je reconnais! Colossinge. Passe-masse. Voilà. Oh, Colossinge. D'ailleurs, j'adore Colossinge. Colossinge, j'adore. Avec ses gants de boxe. Je l'adore. Voilà. Donc, Vatalia, mon petit mode préféré. D'ailleurs, on va pas rester. On va mettre. Non, pas RATP non plus. Qu'est-ce qu'on va mettre? Apelag. Voilà. On l'a pas vu dans cet épisode, Apelag. On va le voir, niveau 32 en plus. Mania. On va peut-être changer ensuite tout à l'heure. Alors, Mania, ça fait mal. Coup critique, attention. Lance-flamme. On a beaucoup dit que j'ai un Apelag assez cheaté. Cogne à fond. Mais il fait que des coups critiques, hein. Parce que j'ai soin, voilà, justement. Et c'est ce que je fais. Voilà. Voilà, tout le monde a dit que j'avais un Apelag assez cheaté. Et je suis d'accord, et j'ai envie qu'il reste dans l'équipe, voilà. Et on a bientôt fait la moitié du jeu, avec que deux morts. Donc, mathématiquement, on peut faire l'autre moitié avec deux autres morts, mais je ne le souhaite pas, mais... Voilà, on a fait la moitié du jeu, avec que deux morts, donc je suis tout à fait satisfait. Enfin, on a fait presque la moitié. J'ai pas encore le badge... Pas envie de me vanter trop tôt. Oh, pourquoi? Bon, toi aussi, tu vas pas nous faire un Cyprien, quand même. Donc, niveau 32 RATP. Je le sens pas, je le sens pas. Parce que, dans tous mes jeux où j'ai fait des randoms, tous les Pokémon volent. Eh ben... Oh mince, j'aurais dû faire le plein des potions, là. Faudra que je fasse demi-tour, après. Tous mes Pokémon volent, ils ont été très très vite morts. Alors, bon, lui, c'est le Pokémon vol le... Où j'ai réussi à le garder encore le plus longtemps. C'est vraiment le plus longtemps. Parce qu'à chaque fois, je capture des recalls et tout ça. Juste après, voilà. Apelag. Alors, les feux... Ah, c'est bon, on peut rester. Éboulement. Voilà. Éteignement, bon, il est KO. Voilà. Coup critique. Bah, c'est bien, RATP, c'est bien. Tu commences à bien jouer. Soporifique, par contre on va pas rester soporifique. On va mettre Ah oui, mais là. J'ai envie de mettre Phitek, mais bon. Voilà, on va leur 4 net, pardon. Ouh. Télékinésie. Ok. Passe-masse. Voilà. Salut. Oh, vilain! Par contre, on va pas sur les deux autres dresseuses à côté, hein. Enfin, quoique. Ouais, peut-être, ouais. Enfin, je sais pas, hein. Perso. Hein. Je vais t'écraser comme une puce. On a bien senti la fille timide. Et... Voilà. Alors. Je vous rappelle aussi qu'on est tombé sur l'Articuno dans l'épisode précédent. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent. Donc si vous voulez voir Articuno, regardez l'épisode précédent. Voilà. Vol. Darvenin. Ah, tu m'empoisonneras pas. Voilà. Oh non, mais sérieux, mais sérieux, mais sérieux. Mais sérieux, il résiste à un peu. Par contre, ton combo griffe, il fait pas trop trop mal, hein. C'est plutôt des chatouillements. Arrête de rigoler, RATP. Je sais que t'es sensible, mais... Ah, mais arrête, non, il va encore faire 5 fois, là. Ah, 4 fois, 4 fois, 4. C'est pas mal. Donc, on m'a dit que je me suis trompé. Tornade est une attaque vol. Bon, mais dans mes souvenirs, il me semblait que Roucoule avait une attaque tornade et qui était normale. Donc, je ne sais pas si je suis fou ou est-ce que j'ai rêvé, mais je vous assure que c'est vrai. Donc, je vérifierai en jouant à la version, mais j'étais persuadé que la tornade était une attaque normale dans cette version. Hein? Ouais, d'accord. Donc, bah écoutez, vu que je n'ai pas... Attends. L'arbre a repoussé alors que j'ai pas bougé du... Bon, d'accord. Alors, Abo. Je me rappelle aussi que j'avais fait... Enfin, j'avais fait un random Nuzlocke chez moi comme ça, tout seul. J'ai pas filmé.
Sur Urgold, ouais, sur Urgold, Earthgold, pardon. Et j'avais affronté Erika. Et j'ai un de ces mauvais souvenirs, et c'est pour ça en fait que je me dis que je vais perdre un Pokémon, parce que j'ai un de ces mauvais souvenirs. C'est que dans Earthgold, elle avait un Kyogre, mais overcheaté quoi. Oh mince. Pourquoi je suis resté même? Je sais pas pourquoi je suis resté. Elle avait un Kyogre, mais vraiment, vraiment, cheaté, et j'en pouvais plus, hein. C'est pour vous dire. Ouais, clair. J'ai vraiment de mauvais souvenirs sur ce Kyogre. Afapsié. Voilà. Casse-toi. Et rate mes niveaux 33. Oui. Apprends. Ah, j'ai deux pierres. Bah voilà, j'ai pierre, pardon. Ouarg. Ok. J'espère qu'elle va pas parler allemand comme dans l'épisode 8. donc, du coup, on va mettre de l'antiparrain. Et voilà. J'ai des antidotes au cas où. Parce que. Ouais, j'ai des antidotes. C'est bon. Allez, on va sur la dernière, hein, écoutez, hein. Autant se la faire. Bon, pas dans le sens comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? D'accord, j'ai mal lu, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ok. Parasect. Encore facile, Apolag. Ah, par contre, Apolag est vachement amoché encore. Qu'est-ce qu'il a, Apolag, en ce moment? Ah non, je ne. Non, non. Non, 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 non. Je ne t'autorise pas à faire lance-soleil. Non, 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 non. Salut. Alors, qu'est-ce que. Évoli. Ah, Évoli. J'aurais aimé t'avoir, tu sais. Lance-flamme aussi. Je pense qu'il est KO, hein. Voilà. Hein. Bon, voilà, on a fait toutes les girls de cette arène, sauf la championne. D'ailleurs, on va se soigner. Et on va tout de suite mettre leur 4 net en prenant position, comme ça, je n'oublierai pas. Alors, je fais une coupure et on se retrouve devant la championne. Et voilà, les gens. Bon, techniquement, c'est elle la championne, hein. Donc, je n'ai pas fait le plein des potions, tout ça. Attention, je n'ai pas le droit en combat. C'est inutile, juste fais le plein des antidotes, hein. Toujours, toujours, toujours. Donc, mon équipe est niveau 33. J'espère que ça va suffire. Je l'espère. Allez. J'ai vraiment la pression, les gens. Hein. Mes aisselles, ils en peuvent plus. Bonjour et sois le bienvenu. Il fait beau, n'est-ce pas? J'aime la vie, j'aime les fleurs et les chansons. C'est chou, non? Moi, c'est Erika, la championne de l'arène d'Oxyladopole. L'arrangement floral est ma spécialité. Mes Pokémon sont de type plante. Il fit grand froid hier, alors j'ai mis mon un pull. D'accord, bon, raconte pas ta vie non plus. Hein? Tu veux te battre? Voilà! Préfère ça, hein? Je préfère. Bah, dis-le, mon vieux. Tu sais quoi? Tu vas perdre. Non, je voulais pas du. Non. Là, je sens mal, je le sens mal, je le sens mal. Là. Je devais. Je voulais. Fallait pas que je sois méchant, la gueule. Fallait pas. Erika, il y a 3 Pokémon, hein. Florizarre. Oh! Genre, elle a respecté le Florizarre. Niveau 30. Bon. Ça passe, ça passe, ça passe. Niveau 30, ça passe. J'avais vraiment peur. Alors, Apolag. Elle a quand même le Florizarre, hein. Bon, elle a pas Florizarre à la base, mais c'est quand même un Pokémon plante. Darvenin, elle va me l'empoisonner. Ah, même pas, franchement, j'ai eu le titan de suspense m'a fait croire que. Oh, elle a tenu un lance-flamme. Super potion. Ah, ouais, elle est directe, hein. On va faire déflagration parce que je suis énervé. Voilà. Bah, ça, elle a résisté à un lance-flamme. On va faire déflagration. Voilà. Ok, déjà, le premier Pokémon, ça passe. Deuxième, tas de morts. Bon, calme, hein. Alors, on va faire déflagration vraiment. Voilà, coup critique, bien joué Apolag. Et le dernier, le suspense, Nidorina. Bon, ben voilà, ça passe, hein, leur 4 net.
En fait, elle est le même niveau que moi encore. Une fois. Niveau 32. Enfin, bon, je suis 33, mais. C'est pas loin. Et voilà. Prince Mass. Normalement. C'est bon. Voilà. Coup critique, comme d'habitude. Voilà! On s'est fait l'arène. Ouh, j'ai eu peur pour rien en fait. Bon, en même temps, après, il reste le casino. Hein. Oh, j'ai perdu. Bien joué, c'est mérité. Je te confie le badge Prisme. Le badge Prisme, pardon, fera oublier les Pokémon jusqu'au niveau 50. Il permet aussi aux Pokémon d'utiliser Force. Voilà, j'avais raison, c'était Force. Prends également ceci. Ah, c'était 21. On l'a pas déjà eu. Méga Sensu. On l'a pas déjà eu, celle-là. Oh, je sais plus. La moitié des dégâts figés soigneront ton Pokémon. Alors, c'était 21. Hop là. Coupe vent. Ah, coupe vent. Mais d'ailleurs, on l'a ici, non? Normalement, on l'a dansé la double coupe vent là. Bon, coupe vent, c'est pas mal, c'est sympa. Donc, voilà, coupe. On va enfin pouvoir mettre Refutech dans le PC. Oh, y'a même pas le mug pour me féliciter. Bon, tant pis. Y'a lui, qu'est-ce qu'il me dit? Cette arène est terrible, hein? Oui, d'accord, on a compris. Je surveille le poster. Bouge de là. Moi, je veux pas toucher à ton poster, hein. Je ne... Voilà. Non, mais lâche ton fouet, lâche le fouet. Lâche le fouet, Vegeta, c'est bon. Arbok. Ah, ça fait bien Team Rocket, ça. Regarde, on parle de Team Rocket. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les deux JC et James avec le Meowth. Ça fait longtemps. Voilà, c'était juste une constatation. L'attaque Picanon porte malheur, les gens. Et vous-même, vous le savez. Oh, genre, il a résisté. De toute façon, ça ne l'affecte pas. Bon, Casper. Florizarre, et bah charge, voilà. Bah, de toute façon, charge, c'est l'attaque la plus simple de Casper, je ne comprends pas. Surtout que Casper n'est pas physique du tout, et les choses, c'est peut-être physique, alors peut-être. Vous croyez que Spect, c'est physique? Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires si Spect, c'est physique. Ah, oh, genre, tu échoues. Ah, oh, genre, et oh. On a combien de tours? Voilà, gras! Ok. Notre cachette va être découverte. Je vais prévenir le chef. D'accord. Donc, toi, tu es abonné canal ou pas? Oh! Un bouton secret sur le poster! Allez hop, je ne le savais pas du tout. D'ailleurs, j'ai pas fait le plein de potions, donc je reviens tout de suite. Re les gens, et waouh, regardez-moi ça. Un escalier est apparu. Bon, je crois que vous l'avez vu tout à l'heure, mais je ne sais plus. Donc je préfère faire genre... Oh, la musique de Team Rocket. Comme j'adore cette musique. Alors je ne me rappelle plus comment... Je ne me rappelle plus où est-ce que c'est, comment on fait pour aller vers le chef. Hein, donc, T'es qui? Comment t'es entré ici? Par l'escalier, bien évidemment. Non, c'est pas vrai. Arbok, bah ils ont tous le même Pokémon ou quoi? Allez, charge. Voilà, le coup critique qui fait du bien, Casper. Toi aussi t'as compris le game. Voilà. Flagados cette fois. Flagados. Manette. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, c'était très 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 intéressant. Voilà. Aïe, je suis battu. Je suis battu, d'accord. Bon, écoutez, eux, ils parlent comme des racailles, eux. Je ne comprends pas leur langue. Donc, il me semble que c'est par là, hein. Enfin, pas par là en bas, mais par là. Oh my god. Tu as tout cassé nos plans. Je suis juste rentré dans votre planque, les gars, c'est tout, hein.
Maintenant, c'est facile à rentrer, hein. Tiens, un artichaut. Tiens, est-ce qu'on l'a... On l'a pas vu, lui, non plus, hein. Mon objectif, c'est de rencontrer les 150 Pokémon, hein, donc si... Si on peut, écoutez, on va pouvoir faire cet objectif. Mais débile ou quoi? Ça marche pas sur Casper. Je n'ai même pas eu une goutte de peur. Non, j'ai rien eu, pas de sensation ni rien. Étude, à chaque fois que je vois destruction, je suis choqué. Mais là, j'ai rien eu. Non, là, j'ai rien eu. Par contre, c'est bizarre, hein, car un artichaut qui a destruction quand même. Bon, Casper a augmenté le niveau. Super, je suis Nippon. Il est choué, hein. Ok. Autant les chats, je n'y pense. Ça peut être bon, on sait pas. Double dard. Par contre, c'est truc super efficace, mais. Il faut que je revoie mes types, hein. En même temps. C'est un jeu, c'est qu'un jeu. Donc, les gens qui m'engueulent parce que je connais pas mes types ou quoi que ce soit, c'est bon, hein. C'est qu'un jeu. Ce n'est pas la coupe du monde. C'est juste un random nuzlocke où je risque de perdre un Pokémon. Alors, une Pokéball, un objet. J'espère que je peux le prendre parce que j'ai pas fait de corde sortie. Bon, au pire, on pourra le jeter dessus. Hein. Donc, apparemment, c'est pas là. Il faut prendre l'escalier. Allez, hop. Hop, voilà. Il faut descendre. Oh. Le chef dit qu'on peut voir les fantômes avec un scope Sylpha. D'accord. Ah, voilà, c'est cet objet-là. Donc, voilà. Oh, mais il est pas sérieux, 5 Pokémon. Recarnage. Eh ben, je vais accélérer le combat. Mais à ma manière. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, il était assez facile, hein. Sap, je me rends. Ouais, bon, c'est un peu trop tard. Hein. Tu te dis ça parce que t'avais plein de Pokémon et tout. Alors, je sens que là, je vais me... Tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide. Hop, on accélère. Hein. Voilà. Parce que vu que ça va pas aussi vite que dans la dernière version. Alors, c'est quoi là? Pépite. Super, on va pouvoir se vendre ça. Ok. Pierre lune. Ok, d'accord. C'est toujours sympa d'avoir une pierre lune. Qu'est-ce que c'est que là? Il y a beaucoup d'objets là, ici. Votre inventaire est plein, bon bah écoute, on va jeter la corde sortie. D'ailleurs, je crois qu'il faudra jeter plein de choses. CT30, c'est quoi? Purée de poids, alors c'est toujours intéressant d'avoir ça. Une max, c'est toujours intense. J'ai acheté une super repousse aussi. Corde sortie, on va jeter ça. Voilà, là c'est... C'était quoi ça? C'était cette repos. Bon bah écoutez... Non, on va jeter ça, hein. Moi, repos, c'est pas mon style, hein. Voilà. Donc, c'est par, c'est par là, hein. Voilà. Et voilà. Bon, bah, écoutez. Oh! J'ai failli faire la connerie. Et voilà. Oh! Tiens, pourquoi t'es là? Ok, je suis là parce que j'ai envie de faire mes lacets ici, à côté de cette table. Voilà. Alors, Arcana, D'ailleurs, c'était une table qui faisait quand même 43 mètres. Faut le dire. Arcana, on a dit, hein. L'Arcatnet, voilà. Voilà, l'Arcatnet. Tout simplement, l'Arcatnet. Point feu. Oh my god! Voilà. En plus, je pensais vraiment que j'allais me brûler. Oh, arrête de jouer! Bon. En même temps, ça fait une petite difficulté. Bon, combien de PV? Waouh! Voilà, brûlé. Voilà. Voilà, il fallait qu'il soit brûlé. Bon, je pense pas que j'ai des anti-brûles, hein. Je ne pense pas. On va quand même vérifier, hein. Ça va pas nous tuer. On recoupe ça. Mais lui aussi, il a eu beaucoup de Pokémon, hein. Parce que masse, hop, c'est d'accélérer. Hein. Voilà, mais c'est vraiment hardcore. Hardcore. Je suis là tranquille, je me promène avec mon Arcatnet. Alors j'ai des antigènes, donc j'ai des antibrûles quand même. Non, je n'ai même pas. Oh là là, bordel. Tant pis, hein, l'Arcatnet, tu resteras brûlé. Hein, ce que je te dis.
Là, j'ai hyper potion, moi, c'est pas mal. Oh, il y a... Oh, non, j'ai pas envie de le faire. Ça, c'est l'ascenseur. Il me semble que c'est au quatrième étage. On dirait qu'il faut... Ah, il faut une clé, c'est vrai. Oh, mais je me suis tapé tout ça pour rien. C'est pas vrai. Bon, oh, là, faut descendre. Là. Ah, oh, zut. Encore accéléré. Ah, oh, mais genre, il a un articodon, lui. Qu'est-ce qu'il est beau. Franchement, il est beau. Bon, celui qui n'a pas vu l'articodon dans le précédent épisode, bah, voilà. Le voilà, tout simplement. Non, vous savez, maintenant, parce que maintenant, on va avoir que des articodons. Voilà. Dans tous les épisodes, on va le voir. Bon, bah, ça y est, en fait, c'est officiel. On a vu tous les légendaires. Tous les légendaires du jeu. Et voilà. Et oui, messieurs. Mesdames aussi. Mesdemoiselles. Bon carnage. Donc, écoutez, hop, voilà. Désolé d'accélérer pour les gens qui n'aiment pas accélérer, mais c'est des Pokémon qui sont pas très. C'est des combats qui sont pas très intéressants. Ah, oh, genre. Attends, bah, écoutez, on va utiliser une pause. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va. On va utiliser un truc. Oh, on va jeter les urtigels plutôt. Je sais pas pourquoi je l'ai. Et on va jeter, on va jeter, on va jeter. En plus, il nous faut vraiment de la place. On va jeter, on va jeter, on va jeter. Pourquoi j'ai des réveils, moi? Voilà. Les réveils, c'est utile en plein combat. Mais... C'était 10. Ah, ça, c'est pas tunnel à la base. Dansefleur. Ah, on a vu que dans les précédents épisodes, que Dansefleur était puissant. Donc, c'est. Intéressant d'avoir cette attaque. Ça m'énerve. Aïe, 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 aïe. Allez, donc c'est. Ah, je crois que je connais, c'est bon, je connais. C'est comme ça, et encore comme ça, et par là. Ok, il ne nous voit pas. C'est tout à fait logique qu'il ne nous voit pas. Je crois que c'est là la clé, c'est celle-là la clé. Alors c'est. C'était de. Ah, on a que des CT d'ailleurs là-dedans. C'est quand même assez magique. Alors c'était Volvi. Bon, on va la jeter. Ça m'intéresse pas, Volvi. Désolé, monsieur. Volvi, c'est trop faible. Je préfère encore Méga Sensu. L'ascenseur ne marche pas. Il faut la clé ascenseur, à mon avis. Ah, ben voilà. Et moi, je savais que c'était lui qu'il fallait parler. Je savais. J'ai quand même des petits trucs dans la tête. Hein. Je n'ai pas rien non plus. Hein. Alors, Océan, on va changer tout de suite. Par contre, oui, mais oui, on va changer. Niveau 33. Manette, niveau 34 d'ailleurs, manette. Manette a pris le devant. Piste là-haut. Voilà, point clair. Salut Poséan, retourne dans l'océan. Qu'est-ce qui vous a pas fait marrer? Mon rire ou la blague? Ou les deux? Topiqueur. Ah, par contre, lui, on va pas rester. Hein. RATP. On va le mettre. Oh mon dieu, séisme. Ah, tornade, t'es KO. Arg. Oh, ils disent tous ça. Hein. Ah. Et ben voilà, j'ai la clé. Super. Mince, j'ai perdu la clé. Ah bah je me demande où elle est. C'est au quatrième étage, me semble. Sympa, sympa l'ascenseur. Bon bah voilà, c'est par là. Par contre, mon équipe est un peu amochée. On va pas faire le fou. On va mettre quand même des super potions. Sur Casper et sur Manette. Voilà. Après l'arcade nuque, on les brûlait, hein, c'est la vie. Et je pense que c'est bon. Hein. Pas bouger, morveux. Mais... Ah, ben les voilà. Je me disais, c'était longtemps. J'ai pas eu le temps de faire deux pas, quoi. Comment as-tu osé nous humilier, mon Sélénite? Cette fois, tu vas prendre cher. Bon, écoute, apparemment... Normalement, ils ont les mêmes Pokémon que la dernière fois. Ou alors, je sais pas. Hein. Tonne mort. Je sais plus si. D'ailleurs, je sais plus quel Pokémon ils avaient. Donc, Bon, après, on verra.
Bernardino. Devant Bernardino, je sais plus. Allez, on Raphaël, si on va tout faire dans cette caméra, c'est bon. Ah, c'est très, c'est super efficace, tu vois. Il est quoi alors? Il est insecte poison. Ah bon? Peut-être. Je ne savais pas. Pirelli. Oh, il est beau, Pirelli. Hein. Oh, il nous fait un clin d'œil vite fait. Non, donc je vous assure que ce n'est pas les mêmes Pokémon. Ça, je me souviendrai du Pirelli quand même. Après, c'est marrant. Hein. C'est bien comme ça qu'ils ne sont pas les mêmes Pokémon. Voilà, mais c'est gagné 34. Super. T'es terrible. Ouais, bon, écoute. Hein. La Team Rocket à la vitesse du son. D'accord, c'est nouveau. Bon. Ouais. Voilà, donc on va mettre Apollag en première position. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a par là? Je sais pas, il y a un... Ah, ok. Du fer, et puis quoi encore? Non, quoi que, on va l'utiliser. Du fer, c'est quoi? C'est ça augmente la défense. On va mettre sur le base de canal. Hein. Ouais, c'est ça. Comme ça, au pire, autant que ça soit utile. Hein. Écoutez, est-ce que ça serait pas. Ah, Giovanni? Non, c'est Giovanni. Giovanni. Tu me surprends. Tu es dans le genre pénible. Attention, le combat épique. Les gens, il a les mains dans les poches. Attention, il a pas de fouet. Là. Donc, Florizarre. Et ils ont tous des Florizarres, c'est pas possible. Tous les champions d'arène et les boss, ils ont des Florizarres. Bon, tant mieux, j'ai un peu lag. Hop là. J'ai anticipé. Et oui. Au niveau 25 celui-là, bon ça va être un peu plus facile. Bon finalement cet épisode il se déroule un peu mieux que prévu. Lipoutou, eh ben on va continuer. Par contre, ça fait longtemps que j'ai pas fait cette attaque. Dans ce flamme. Ouais. Juste pour plaisir comme ça. Je te bannis, voilà. Merci d'être passé Lipoutou. Tauros, on va mettre RATP, parce qu'il est niveau 33. Défense spéciale. Bon, bah écoute, si tu veux, je viens de changer. Hein. On va mettre. Je sais pas qui est le puissant, le plus puissant entre Boulement et Jepierre. Il me semble que c'est Boulement le plus puissant, mais. Enfin, Jepierre. Ça, on saura qui est le plus puissant. Hypercute par contre. Ah, c'est bon, on n'a pas confus. Ah, c'est peut-être une. Ouais, je crois qu'ils ont la même puissance. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'il va utiliser une potion? Non, il n'utilise pas de potion. C'est super. On a battu Giovanni. Quoi? Damnation! Tu élèves tes Pokémon trop soigneusement. Un gosse comme toi ne peut comprendre mes plans. Tu as gagné cette bataille, mais pas la guerre. On se retrouvera et cette fois. Non, ne pars pas, n'est-ce pas un suspense de fou comme ça? Ok, donc je tiens la Scope Sylve. Ok, donc j'ai pas la corde sensible, je l'ai jeté comme un con. Donc du coup, on va. Allez au deuxième étage. Parce qu'il y a encore un dresseur, je crois, et j'ai pas envie de le faire. Du coup, c'est sur ça qu'on va se quitter, hein, je pense. Voilà, on va bientôt se quitter. Voilà. On va devoir se quitter. Et du coup, c'était pas là-dedans qu'on trouve la boîte jetons. Donc, si vous le savez, dites-le moi. Que je ne sais pas du tout où est-ce qu'on trouve la boîte jetons. Je sais que c'est dans cette ville, hein. C'est pas possible que ce soit dans une autre. Hein. Donc voilà. 143 vues. 143 vues. Et on est à 7 Pokémon. De. Alors, je vais vérifier.
Je vérifierai de mon côté ce qui nous manque comme Pokémon. Sur ce, je vous trouverai dans le prochain épisode, dans l'épisode 13. Ouais, je crois, 13. Pour Pokémon Jaune, un Random Jock Challenge. Et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Et je vous dis à bientôt pour le prochain. Hein. Pas de soucis, je crois que je vous le répète à chaque fois. Bon, sur ce, portez-vous bien. Et bye!